Monsieur Avinson, François, ou en direct avec nous, pas oublier non pas Monsieur Azael, ou sous Radio Intrépide International, et qui branché dans un pile l'autre radio, donc à fréquence en Haïti, ou bien radio traditionnelle. Nabdou, bonjour, bonsoir. Moi salue nous, moi salue tout auditeur Radio Intrépidio, moi salue Wazael. C'est un plaisir pour nous ensemble, malgré que malheureusement toute tentative d'en fait, nous ne pouvons pas arriver connectés par rapport avec la réalité pays nous, instabilité qui gagne en question, réseau qui gagne en Haïti. Très important, ma profite de saluer tout la voix de Jean-Pierre, Jean-Simon, Capcouté Mission Tad depuis Nango Naïve, commissaire ou grand pile mon capitaine de haut, soit à travers Réalité 2000, donc Natif Natal, soit Maïla FM, donc avec Radio Djen dans le pays Chili, sans oublier Intercontinental et bien Radio Plymouth dans ville Jérémy. Alors, tenez bien, est-ce que vous êtes capable de parler de où ou dans quelques secondes, commissaire? Allô? Est-ce que vous pouvez présenter dans quelques secondes parce que quelqu'un qui pas connaît ou du tout? Ah oui, moi c'est Vincent François, moi c'est Moun Latibonite, et Moun Tirivière Latibonite. Et c'est là, moi fais tout, et presque tout est classique, moi, je suis rentré pour au Prince, mal terminé, classique, moi. Dans le lycée Firmin, là, je fais philosophie, et classe terminale. Après ça, je m'étudie droit, et Et puis, moi, j'ai fait un master en droit des affaires et puis mon master en administration scolaire. Moi, j'ai débuté une étude doctorale en droit international et humanitaire, malheureusement, et pour des raisons de sécurité et déplacement pas fait pour recherche au fait, et dossier ça a fermé. Moi, j'ai passé directeur d'école, directeur des lycées, moi, j'ai été supérieur à la licence en Christophe, moi, j'ai passé directeur général mairie Trivière pendant 7 ans. Et moi, dans le parquet de Saint-Marc, 8 novembre, là, saute femme, 9 ans, 3 mois dans le parquet de Saint-Marc, avec 11 mois dans tête parquet, et comme commissaire du gouvernement Haï. Ah, très important. Et qui rapport qu'on gagne avec directeur départemental police là et nous parler de DEA en parlant de Paul Ménard? Et jusqu'à maintenant, capable de dire pour la vérité et nous pouvons parler. Nous t'ai parlé une fois par le biais de défense et bon, on a commencé le premier. Moi, t'ai non lui avec eux, on t'a parlé avec les et puis me dit, bon, profitez, saluez les liens parce que je n'ai pas un numéro 1, parce que l'effet que je viens de tenter pour me faire un numéro 1, je n'ai pas qu'à joindre lui. Et puis là, il me dit ça, il dit, moi, eh bien, numéro 1 de tous côtés, c'est jour, pas besoin de numéro 1, il ne faut pas joindre lui. Puis pas ce jour-là, pour le numéro 1. Et malheureusement, il était pour mettre maintenant, on n'était pas les non dimanche, il était pour mettre maintenant mardi, il était dehors la rentrée, il dit, la semaine, on a venu, on a gagné pour rentrer chez Marc, mais malheureusement, jusque-là, le pas jamais pour rentrer chez Marc, nous pas jamais pour parler par téléphone, même une fois. Et même, bah, il me partit avec hypothèse que peut-être, il vit dans département, son département tellement piégé, qui est tendu tout, son département qui est vaste. Et peut-être, il y a tellement de travail à faire sur le wall pour qu'on vienne en bas, et puis, qui fait que nous pouvons pas parler, non pas, mais, faut me dire, en réalité, nous pouvons échanger, nous pas gagner non plus. Très important. Alors, forme de c'est que le commissaire Vincent François, c'est un commissaire qui est très ouvert au dialogue. Très ouvert au dialogue. C'est même genre avec le commissaire Guiverna. Nous pouvons parler justice et puis sécurité dans CEMAC. Comme étant chef paquet CEMAC AI, qui pique gros problème ou endurer en dans paquet donc CEMAC là, ou est-ce que gagner un rapport étroit qui existait entre vous-même et doyen? Et m'ta capable di doyen et bon m'pa konnen est-ce que c'est et doyen c'est non c'est un coup de frère parce que ils sont aînés mais depuis avant même moi j'étais venu dans parquet comme parquetier nous gen relation depuis le MD avocat stagiaire nous t'es déjà tissé de relation dans la même. Et il était déjà nos programmes de maîtrise en éducation, bien que nous n'avons pas fait le même côté, et puis moi-même, des fonds en fond maîtrise en éducation, automatiquement, j'ai gagné information ça, et que moi-même, personnellement, j'ai rapproché pour que nous soyons capables d'échanger, pour nous parler, parce que nous avons toujours dit, esprit, et ça qui est moyen de communiquer ensemble, ça grand de communiquer ensemble.
Et depuis là, on a démarré ensemble. Et puis, moi, je viens dans le paquet là. Et en 2014, et c'est même 2014 ça, l'État ouvert une université Vinissa. Moi, j'étais parmi les gens qui étaient encouragés, qui étaient parmi les gens qui étaient aidés, mettaient jalon pour l'université. Après, et depuis là, moi, chargé de cours dans l'université ça. Donc, j'ai de très bonnes relations. Et je suis capable de dire, jusqu'à preuve du contraire, et action qui a mené dans le niveau palais de justice de Saint-Marc, c'est action concertée. C'est action concertée dans la mesure où je ne vais pas comme décision pour que moi-même je communique à doyen. Et je vais aller plus loin. Même mon rapport m'a adressé à ministre de justice c'est, et supérieur moi. Eh bien, fort doyen, bon, j'ai ton coup de la donne. Parce que nous croyons qu'en tant que serviteur, dans sa pays et la Kounia, là, ce n'est pas Chile qui permet que nous bâillons résultats. C'est ensemble pour nous. On dit, en utilisant un vocable, c'est de complot positif pour nous faire pour nous singarer très pays dans sa lia. Et dans ce sens, ça m'est capable de dire, bam, tout fait un survol, ce n'est pas avec le doyen seulement. Avec le CP de l'arrondissement de SEMA, nous avons de très bonnes relations et jusqu'à maintenant, et puis nous avons avancé. En 2014, en 2015, moi j'étais Saint-Marc, j'étais dans prison Saint-Marc là. Moi j'étais gagné prison, j'étais gagné pile monde. Donc ça veut dire que prison li engorgé. Donc qui travaille qu'on fait depuis le Sahara comme l'arrivé AI comme chef paquet pour désengorger prison Saint-Marc. Est-ce que son travail qui est facile? Est-ce qu'on arrive faire? Mon cher, son travail qui est très difficile, c'est un travail de titan. Parce que volonté au cas là, capacité au cas là, compétence, malheureusement, les moyens capables d'empêcher. Et premier moyen qui est tenu, c'est moyen, problème moyen qui est tenu, c'est problème moyen humain. Dans la mesure, moi, passé un laps de temps dans le paquet là, pour compte moi, et pour le présent moment, comment c'est un substitut, comment c'est fini. Mais moi passe un laps de temps pour compte moi et même si les substituts commencent à venir ça n'empêche que jusqu'à maintenant m'a couru sortir mon siège à le prendre en deuxième et m'a fait toujours dans la mesure ça venir c'est sous droite li vini et elle prend d'ailleurs pas gain même souci avant elle pas obligé gain même souci avant en tant que et responsable et mais m'a pral dit que n'a travaille pour nous essayer de garder les engorgés prison civile de Saint-Marc bien que ça vient tourner en leitmotiv du gouvernement, du ministre de la ministre de la Justice, côté que eux même prend un offre qui demandait pour que décréter depuis 31 octobre jusqu'au janvier de 2024, pour décréter période, ça, son période d'urgence, pour que action, et m'da capable dit, audience et pénale au fait, à savoir audience correctionnelle et audience et criminelle pour au fait, pour permettre que ouais, dans l'objectif de désengorger les prisons du pays. Mais nous-mêmes, depuis avant, même le ministre a été pris notre, ça, depuis la réouverture des tribunaux, le lancement des activités judiciaires pour l'année 2023-2024, nous avons lancé assises criminelles sans assistance de jury. Ça fait nous avons en troisième semaine d'assises et nous avons un pile monde qui jugeait, un pile monde qui condamné, un pile monde libéré, tout qui a quitté, qui est rentré la caillou. Pendant que nous avons fait assises criminelles, nous avons fait audience correctionnelle. Pas plus tard hier, nous continué avec assises criminelles. Jour mercredi, nous fait audience correctionnelle également. Mais pas bien, pour semaine qui vient là, nous avons trois séries d'assises criminelles à raison de trois sièges ou bien trois audiences par jour. Nous avons lundi, nous avons trois audiences. Mercredi, nous avons trois audiences. Vendredi, nous avons trois audiences criminelles. Mardi, nous avons audience civile. Et jeudi, nous avons audience civile. Nous même envisagé, doyen avait, nous avons envisagé même certaines fois pour nous faire deux séries d'audiences par jour. Et suivant que affaire yo passé le plus tôt que possible et dans le cours de l'après-midi vers 1h 2h si que nous capables de faire de audience correctionnelle surtout au regard de la loi du 6 mai 1927 qui permet que son audience rapide son audience rapide pour permettre que nous désengorge ils ont et moun qui à peine a vini yo qui est arrêté en flagrant délit yo passé devant juge automatiquement pour que juge statue sur son. Mais pas seulement les gens qui sont en prison et commissaire, est-ce que c'est des gens qui sont retenus par de gros infractions ou bien infractions mineures?
Et majorité nan yo de gros infractions, t'as coupé de crimes sans association de malfaiteurs, vol à main armée, vol de nuit, cambriolage et viol. Bon, ça sont infractions qui très courantes, infractions qui très fréquentes, viol, ou pas passe une semaine pour pas joindre un ou deux cas de viol. Et ben, ces derniers moments, dans dernier temps, yo, dans dernier décennie, ça ne pas comprendre ce qui a passé, monsieur, yo, ni jeune ni vieux. Ils ont livré une activité de viol pour satisfaire des idées bridées. Et bon, et c'est des gens qui sont retenus pour des infractions criminelles. Tout compte fait, il y a des gens qui sont retenus pour des infractions correctionnelles également. Mais on connaît tout, papa, il y a des dérives, certaines fois, capables de gagner des gens qui esclavent tempérament, parce que c'est grand chef, faut faire mon souffle. Ils ont arrêté des gens pour des infractions très mineures, des infractions d'aradic qui sont contraventionnelles, et puis ils ont jeté des gens en prison, dossier disparaît, dossier sans dossier, etc. Qui fait que depuis le mois de septembre, moi démarré avec une série de travail. Malheureusement, il y a deux semaines là, arrivé dans la prison par rapport avec les gens qui me pris dans l'audience. Et moi démarré avec une série d'activités qui s'est scruté les cellules à l'intérieur de la prison pour permettre que chaque moun yon parle avec eux séparément pour me connaître qui infraction qui mette là pour depuis là, et puis devant qui instance dossier, oui. Ça qui devant cabinet d'instruction, là, ça, moi, je vais me retourner, mal boosté, magistrat, instructeur, qui est dossier sur le nom, pour permettre que, yo levé, mais au bout, et instruction faite le plus vite que possible. D'autant plus que la loi, bah, juge là 3 mois pour le faire, et pour l'instruire, 2 mois pour enquêter, 1 mois pour le préparer rapport, à savoir communiquer au parquet pour réquisitoire définitif, et puis, et rendre l'ordonnance de renvoi, ou bien l'ordonnance de clôture. C'est soit l'ordonnance de renvoi, ou bien l'ordonnance de non-lieu. Et le ça, l'homme sorti mal boosté, maïssa est supérieur pour que nous permette que dossier qui était jeté dans l'oubli, hein, parce que nous connaissons en pile fois, il y a un ensemble de prisonniers, c'est des minorités, ou pas, il y a un avocat qui pour faire suivi pour eux, et nous accuser et un déficit d'assistance légale depuis un bon bout de temps. L'été gain assistance légale, l'été gain balle, l'été gain CL, malheureusement pas gain ça pour le présent moment. Et dans la juridiction, on vit un autre problème, c'est que nous pas même gain avocat stagiaire à la juridiction, dans la juridiction de Saint-Marc. Et parce que pas de gens, t'es gon crise au niveau et du barreau, et t'es gon problème grève, et pas que t'es grève huissier, grève greffier, etc., qui fait que dans l'heure pour être fait et organiser séance de prestation de serment, ou pas de gens, vous avez fait, c'est que il y a mette cap sou yo, et bien là ça ou jeune gars de monde qui ont d'accéder démunis mais qui pas gagné et pas gagné avocat, il pas bon stagiaire même qui t'a quand son célérité pour taf by suite fait suivi auprès du magistrat chargé du dossier, et bien là ça en plus fois jeune monde ça il était enfermé en dans cellule là, il pas connait qui soit parce que il pas connait qui c'est pour le reler. Ça fait que notre travail n'a fait à nous joindre de monde qui a 3, 4, 5 ans, donc je ne dis même 6 ans, qu'il a, et que, qu'il y a, c'est dans la reconstitution du dossier. Mais avec quel moyen alors? N'a pas moyen quand même, pour nous, pour permettre que Mounio même y arrive à juger. Donc, c'est même arrivé dans la phase, bon, il y a 3 ans en dans prison, hein? Eh bien, un bébé qui a 3 ans dans prison, d'après ça, il a raconté, c'est pour, et un délit correctionnel. Voilà que délit correctionnel, là, maximum maintenant c'est 3 ans. Le ça nous pas gain autre choix que libérer automatiquement. Là ça ne va même recourir par voie pour n'almener devant juge pour juge tant délai pour rétablir l'endroit. Malheureusement pas jamais totalement rétablir l'endroit parce que les lois violées rétablir l'endroit c'est pas seulement libérer le D2 et l'autre bagarre en plus mais malheureusement. Ça c'est important. Nous allons poser une question à la commissaire qui paraît un peu très difficile pour répondre mais on connaît intelligent au café maximum de possible. Le yon arrêté au monde, il y a un rapport préliminaire que la police donc établi, ou bien écrit, ou bien préparé. Et c'est avec rapport ça, yon voyait moun nan à le juger par devant juge naturel, ou bien à le koto comme étant chef de poursuite. Maintenant, est-ce que nous jugeons moun nan à partir du rapport la police préparé, ou bien nous menons une autre enquête parallèle par rapport à ça, la police baille là. Pour qui ça? Bon pratique, dans le pays d'Haïti, depuis qu'il a arrêté où, il y a une seule infraction déformée sous dos, c'est vol à main armée, association malfaiteur, etc.
tout presque tout net yo arrêté que moun nan en général son policier il jouerait que son policier jouerait le tout yo arrêté moun nan c'est même infraction est-ce que c'est sous base ça sous base rapport la police là nous juger moun nan ou bien almen non l'autre enquête pour nous est-ce que rapport a été bien rédigé parce que un ça deuxième ça c'est premier volet deuxième volet policier des fois yo pas même konn li des fois gen pas konn li tout. Et un policier qui fait par exemple 9e année qui parle l'école encore bien qu'on lit. Des fois qui pas même qu'a écrit en bon français. Et qui pas même qu'on thème juridique yo. On est qui écrit on m'a dit gidi vous ba ou comme commissaire gouvernement. Et c'est sous lui pour le juger au monde. Maintenant qui considération pour le faire pour rapport préliminaire ça que la police vous ba ou. Mon cher Mamadou, et c'est de failles qui gagnent. Oui, c'est normal que les policiers qui appréhendent les gens, en tant qu'opérateur, sont capables d'ailleurs, les gens qui préparent pour faire rapport, ils ne sont pas cinq policiers, c'est deux policiers, et puis ils sont affectés dans le service des investigations. Les gens qui ont prêté serment pour ça, on peut le voir, c'est deux gens qui ont des notions en droit. Il va général. Ma quitte moi dire. On est qui côté doit placer qui doit faire rapport là. Et c'est service des investigations. Tout commissariat ou pas un service des investigations là-dedans. Il pas un agent investigateur là-dedans. Et qui fait que le commissariat c'est pire et sous-commissariat, il était supposé envoyer un rapport d'arrestation pour expliquer dans qui circonstance mon arrêté. Et même au niveau investigation et ça généralement on fait mon et passer devant juge de paix qui pour faire une information préliminaire à partir de là mon n'a bien droit avec un avocat qui pour assister lui parce que constitution dit clairement et on monde le pas doit interroger un monde en absence d'avocat ou bien témoin qu'il choisit et après ça dossier a cheminé vers au parquet il ne revient pas au policier, au service des investigations ou au juge de paix de qualifier une ou deux infractions, il revient spécifiquement, il revient au commissaire du gouvernement en tant que chef de la poursuite de qualifier l'infraction ou les infractions. À vrai dire, le policier a écrit ça, ce n'est pas que tu as qui voit la hauteur de ta fille, ce n'est pas que tu as qui pour dire automatiquement on te mette là comme pas que tu es. Comme substitut commissaire ou bien comme commissaire du gouvernement, si je ne suis pas bien, il faut chercher quand sont sous moi pour que moi j'ai la capacité pour que je me qualifie en infraction. Et c'est une chose qu'on fait ou qu'on donne au bagage. Et jusqu'à maintenant, il continue de dire ou qu'on donne la police à plaindre, dit qu'il a arrêté la justice à libérer. Ça veut dire que, ou en pile fois, on dit mais son offense, pour qu'ils soient obligés de vous faire la justice. C'est pour lui-même pour le castat sur les faits. Au regard de la loi, au regard des éléments constitutifs de chaque infraction pour vous, est-ce que son palais, est-ce qu'il existait? S'il va exister, il n'y a pas d'autre choix que libérer. Mais malheureusement, nous, en Haïti, nous tous pensons que nous devons faire tout le bagage. Nous ne pouvons pas être pas nous. Et puis nous voulons faire tout. En pile fois, même pas nous, nous ne pouvons pas faire, nous voulons faire pas l'autre là tout. Et ma brande, il y a un principe, suivant la maxime, il y a un principe. Disant qu'au criminel, ou bien au pénal en général, c'est l'oralité de débat qui prévaut. Tout compte fait, et toutefois, et dans audition, et prévenu ou bien accusé là, nous avons toujours scruté un rapport de police là. Déclaration de fait, nous avons toujours passé en revue dans la mesure où nous avons posé question sur nous pour est-ce que nous avons une cohésion, cohérence ou bien si vous avez cohérence et puis là ça vous regardez est-ce que véritablement vous avez défendu et dans les faits les éléments qui sont constitutifs jusqu'à ce que vous portez mon nom à juger ou bien pour quoi que mon nom commette infraction et c'est pas une erreur grave et c'est pas même gravissime c'est parce que on m'a même dit le rapport de pollution, même sur le procès verbal. Appelle à tout fait. Appelle à tout fait. Appelle à tout fait. Appelle à tout fait. Sans se tout fait quand même.
Barre a passé, est-ce que... Allô? Oui, allez là, moi. Oui, et m'a pas dit c'est un problème gravissime si que le magistrat Tabrachita spécifiquement sous rapport de police ou bien sous procès verbal non juge de paix. Parce que généralement, nous connaissons un rapport de proximité qui toujours, existait entre Mounsayo. Jean Sodia, ça arrive que moun qui a été arrêté, il y a un conflit avec l'autorité. Soit il y a un brise de bouche, soit il y a un conflit de terrain, conflit de terre, conflit de femme, conflit de bail comme ça. Et puis, moun a profité pour charger l'autre là. Il revient au magistrat et au magistrat du parquet, comme commissaire du gouvernement, comme chef de la poursuite. C'est lui-même qui a bail mandat à magistrat instructeur là pour enquêter dans l'autre. Il lui revient avec pour que lui-même, pour le prendre responsabilité, pour le qualifier infraction, hein, et puis pour le voyer, s'il mettait devant le tribunal correctionnel, pour aller devant le tribunal correctionnel, s'il était allé devant le cabinet d'instruction, pour que, et suivant les indices, pour magistrat instructeur, là, fait travailler, pour le faire travailler. Et pas, il n'est pas fonctionnement, c'est sous rapport. Entre temps, m'a prédit encore, parce que le principe dit que le rapport de police est cru jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, le rapport du juge de paix est cru jusqu'à inscription de fond. Non, sauf que je connais un pile qui est victime et commissaire de question ça en Haïti. Non, pas bien bagué ça, parce que je suis un peu équilibré. Et bon, un pile fois, je me dis, non, c'est le gros effort qu'a fait. Dans le magistrat, c'est Mounioye. C'est pour raison ça que fait le législateur là, il établit et ça qui est la voie de recours. Parce que le principe dit que la défaite du droit est toujours provisoire. Et si, parce que mounan, dans le moment là, attendez mounan, c'est pas tout le monde qui est capable bien, qui est capable de transcender tout le temps. Et puis, il faut qu'on joigne, on arrive qu'on joigne une situation de panique et de fatigue. Et puis, on attendez mounan, fatigue maréo. Eh bien, certaines fois, on pas même capable, de localiser personnellement, voir pour t'arriver, faire une analyse, m'dakadi, et impartial, objective de déclaration ou bien de faits qui portaient devant. Et bien, sous base ça, s'il y a une erreur qui glissait, la voie de recours est ouverte, mais malheureusement, encore là, est-ce que nous avons toujours des moyens? Les moyens, ça veut dire la connaissance. Les moyens, ça veut dire que les moyens économiques, est-ce que nous avons les moyens en fonction de le déplacement, l'accès, est-ce que nous avons ça pour permettre que recours soit fait? Parce que quand que même ou même qui l'a comme autorité, certaines fois, besoin font recours, ou pas même des moyens pour faire. Parce que on imagine, non, en réalité, quand que les examens ont décidé de bloquer une zone telle, on passe une semaine, deux semaines, et pour pas même gagner accès pour passer. Voilà que, ou bon recours qui vous fait, et ou a touché par, ou a frappé par la forclusion, et voir où t'es qu'à déplacer, ou t'obstruyé, voir barré, etc., ou pas même qu'à passer. Qui fait que, c'est de gros efforts à faire, n'a bataille, et grand pile bagaille pour nous faire, qui fait que, généralement, lui demander pour que, et bah là, il n'y a pas qu'à arrêter seulement sous dos. Si quelques grains de monde, c'est un travail qui m'a dit, je vais faire là. Le problème, il mérite de poser. Et puis, il y a pour nous garder. Et pour nous porter, le législateur, pour nous porter, l'État prend de nouvelles dispositions par rapport avec la dynamique. Notre dynamique pays après aller là parce que le droit est dynamique, le droit supposé évoluer avec le temps, avec la société, avec les besoins sociaux, et bien qu'on y a pour permettre que vous connaissez, il y a un bagage que nous envisagé hier, qui n'est pas possible, et puis je dis à c'est l'autre, et bien là, ça faut que disposition au grand temps. Nous prenons pour ces trois questions et réponse courte, parce que nous prenons quitter et justice, nous prenons la sécurité. On monde qui vient devant. Yo accusé de on est qui nan question bagay zam yo jwenn examen et puis li...